Ah! Ah! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fous ici? Détachez-moi le nœud! Mais place-le là, voyons! Pauvre mon enfant! Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fous ici? Quoi? Qui? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Alors, monsieur Pierre Falgardère, on fait moins le malin maintenant. On est moins fiers sans ces milliards. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne suis pas Pierre Falgardère, voyons. Eh oh, ça ne sert à rien de nier. Je sais qui vous êtes. J'ai tout préparé. Je n'ai rien laissé au hasard, hein? Pierre Falgardère, seconde fortune d'Europe. Mais enfin, vous êtes malade ou quoi? Je ne suis pas Pierre Falgardère, je vous dis. Bien essayé, monsieur Falgardère. Tout le monde sait qui vous êtes, tout le monde. Pierre Falgardère, au fil des années, a réussi à bâtir un véritable empire. Spécialisé dans l'industrie sidérurgique, actionnaire principal de la Falgardère Company, président de la Falgardère Corporation, le groupe emploie plus d'un... Je ne sais pas. 239 000 salariés à travers le monde. Ah, quand même, oui. Et pèse plus de 140 milliards de dollars. Ah oui, c'est beaucoup ça. Généreux mécène et très proche des associations humanitaires, Pierre Falgardère participera au gala caritatif donné au château de Fulmingen. Skiffhausen. Ah! Vous voyez que vous y étiez, hein? Au château de Skiffhausen. Au château de Skiffhausen. Au château de Skiffhausen. Comme chaque année, cette soirée de gala sera déguisée. Oh, 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 oh. Pour cette édition, la période Louis XVI, et les rois de France seront mis à l'honneur. Je me suis renseigné sur vous, monsieur Falgardère. J'ai analysé toutes vos manies, vos habitudes. Je sais très bien, par exemple, que vous adorez votre chien. Un bouvier des Flandres de 8 ans qui s'appelle Wall Street. Et qui souffre de rhumatisme chronique de la patte postérieure droite. Je vous connais, monsieur Falgardère. Je sais aussi très bien que Wall Street doit absolument faire une petite balade toutes les 2 heures. Et que c'est vous qui faites personnellement cette balade, car Wall Street est important pour vous. Il était donc facile pour moi de vous attendre caché derrière un buisson pour vous assommer et vous enlever. Oui, mais non, mais c'est moi qui jurais sorti le chien de monsieur Pierre Falgardère parce qu'il avait été appelé d'urgence au téléphone. Bien essayé, monsieur Falgardère. Mais je ne suis pas Pierre Falgardère, je vous dis. Oui, j'étais au château de Skiffhausen. Ah! Vous l'avouez enfin, hein? Eh ben, c'est mieux de le reconnaître, tiens. Oui, j'y étais. Mais comme serveur. Je m'appelle Mustapha. Et je travaille pour le traiteur Le Nôtre. Et mon patron s'occupe de toute l'organisation de cette soirée caritative. Je n'en peux rien si je me suis retrouvé à promener son chien, moi. En plus, j'aime pas les chiens. Je suis maître d'hôtel, mon monsieur, pas maître chien. Voilà. Je vous jure que je m'appelle Mustapha. Regardez dans la poche de mon gilet, il y a mes papiers d'identité. Dans la quoi? Dans la poche du cou? Pour mon gilet. Mustapha. Vous vous appelez Mustapha? Ben oui, pourquoi, hein? Ben, vous avez pas le type... Vous êtes raciste? Non. C'est votre papa qui était de... Non, il est de Bruges. C'est votre maman alors qui était de... Non, elle est de Valenciennes. Et votre nom de famille, c'est Vandenbruggen? Vandenbruggen, c'est ça, oui. Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Mustapha? Ils m'ont dit que c'était pour me donner plus de chance dans la vie. Bon, alors vous me croyez maintenant, hein? Et merde! Mustapha Vandenbruggen, c'est bien moi. Oh, c'est bien moi, c'est bien moi, mais c'est de votre faute aussi. Il y avait plein d'endroits où vous auriez pu être, et un seul où il ne fallait pas, vous y étiez. C'est ça, ça va être de votre faute maintenant, hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Oui. Vous vous êtes trompé, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Allez, vous me laissez partir et on est quitte. Hé, attendez. Wow. On est quitte, et oh, je vous rappelle quand même que j'étais censé avoir enlevé la seconde fortune d'Europe, moi. Mais dites donc, vous,
Vous n'êtes peut-être pas Pierre Falgarder, mais vous avez peut-être quand même de l'argent. Qui, moi? Bon, l'argent, c'est pas très clair. Je ne suis jamais qu'un petit serveur. Pop, je parie que vous avez bien des économies. Bon. Je n'ai à nouveau rien compris là. Un petit peu d'économie, mais pas grand chose. Pop, combien? Bon, vous avez pas un problème avec l'argent, vous? On comprend jamais rien à ce que vous dites. 12 483 euros. Bah c'est précis ça. Bah dites donc, ça gagne pas lourd, serveur. Mais c'est ce que je me tue à vous dire, hein. Je m'en fous, je vous garde quand même en otage. Quoi, vous, 12 483 euros, mais vous êtes malade ou quoi? Eh oh, je suis endetté, moi, monsieur, parce que j'ai tout investi dans mon commerce. J'ai lutté, je me suis battu, mais là, je suis à point de mon retour, là. Et c'est quoi comme commerce? C'est un magasin de location de cassettes VHS. Bah oui, mais après, je me suis adapté, j'ai suivi le marché. Je suis passé à la location de DVD. Oh, mais ça ne marche plus non plus, c'est complètement dépassé. Regardez-moi, je télécharge tous les films et gratuitement. Ben voilà! Mais c'est à cause de mecs comme vous que j'ai fait faillite! Raison de plus pour vous garder en otage! De toute façon, vous êtes foutu. Je suis ruiné. Ma fille ne me parle plus. Mon fils se drogue. Mon père est malade. Mon chien est en dépression. Enfin, ou le contraire, je ne sais plus. Et je parie que votre femme est partie, hein? Ben non, elle est restée. C'est justement ça le problème. Nom de Dieu, quoi. Mais j'avais tout prévu. Regardez. Une cave dans une ferme totalement isolée. Regardez, j'avais même prévu tout le matériel vidéo nécessaire afin d'enregistrer un message que j'allais envoyer ensuite à votre famille. Tout était prévu, je vous dis tout. Bon, je m'en fous. Je vais jusqu'au bout. Je fais tout ce que j'avais prévu. Nous allons enregistrer un message à l'aide de ma caméra VHS. Je vous coupe un doigt et j'envoie tout à votre famille. Quoi? Et oh! Vous n'allez quand même pas envoyer une cassette VHS à ma famille, hein? Je vous préviens, plus personne n'a le lecteur. Vous vous foutez de ma gueule? Vous foutez de ma gueule? Faites attention, faites très attention, hein? Parce que Falgarder ou pas Falgarder, je fais tout ce que j'avais prévu! Attendez-vous! Je m'en fous, je vous dis, je n'ai plus rien à perdre, je vais jusqu'au bout! Voilà! Nous allons enregistrer un message à l'aide de ma caméra VHS. Ce message, une fois enregistré, nous allons l'envoyer à votre famille. Vous avez donc tout intérêt à être crédible, compris? Dites, pourquoi est-ce que vous avez écrit FLNC, là? Je sais pas, j'ai toujours vu ça au journal télévisé. Ça n'a rien à voir, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Front Libération Nationale Corse. Rien à voir, hein? C'est ça que ça veut dire? Bah ouais. Bon, on le garde quand même, ça fait plus sérieux. Je vous préviens, personne ne va me reconnaître avec cette perruque, hein, pour le... Ah bah oui, c'est vrai. Tenez-la. Ah non, c'est vrai. Ah bah regardez, regardez. Ça. Voilà. Alors, petite boule pour pas qu'on me reconnaisse. J'avais tout prévu, j'avais même écrit le texte. Regardez. Regardez, tout est prévu, regardez. Vous n'avez qu'à lire ceci. Voilà. Moi,
Pierre Falgardère. Je vous devais... Mais oh, oh, oh oui, mais je ne sais pas... Oui, mais je sais, mais je l'avais écrit pour l'autre, alors adapté, quoi. Oh là là, hein. Moi, Mustapha van den Bruggen. J'ai été enlevé par un commando très déterminé et très mou, très chou, très mou, très chou, très, très, très lourdement armé. Oh. Très lourdement armé. Je suis actuellement détenu dans un endroit tenu secret. Je suis en bonne santé et suis bien traité. Je retrouverai ma liberté aux conditions suivantes. Deux points. Le versement d'une somme de 4 millions d'euros en petite... Mais je viens de vous dire que je l'avais écrit pour l'autre. Alors adaptez, soyez créatifs, bon sang. Oh. Le versement d'une somme de... Bon, voilà, ça va vraiment dépendre. L'Allemagne, les États-Unis, on lève la bourse, qui monte, et ça, c'est pas toujours exactement la même chose, donc on peut croire qu'on rêve, mais pour venir, on ne donnera pas. On est bien étonné, on est bien étonné. Vous avez quand même un sérieux problème d'élocution dès que vous devez parler d'argent, vous. Continuez. Le versement d'une somme de 12 483 euros. En petite coupure non numérotée. Et le rachat d'un lot de 1200 cassettes VHS en bon état. Vous serez contacté ultérieurement. Je vous demande de respecter à la lettre toutes ces revendications si vous voulez me revoir vivant. Dites, vous vous êtes trompé là, en fait, vivant. Là. Vous avez mis S, c'est un T. Comment? Je dis, vous avez mis S à la fin de vivant, mais c'est un T. Non, c'est S, en fait. Ah non, T. Donc, qu'est-ce que vous racontez? Enfin, ça, c'est bien connu, ça. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Chou, caillou, genou, hibou, vivant, donc S. Vous me faites douter. Voilà. Hop. Voilà. On va envoyer ça à votre famille. Merde, la clé. Non, je sais pas. Parce que non, j'ai pas... Non, c'est parce que quand je vois ça... Je sais pas, c'est parce que tout à l'heure, je suis arrivé dans la cour de la ferme avec la voiture, j'étais un petit peu énervé, c'est la première fois. Je reclappe la portière de la voiture dans la cour de la ferme, ça je me rappelle. Je descends les escaliers de la cave, il faisait noir, j'avais une cagoule deux fois plus noire. Je descends les escaliers de la cave, je reclappe la porte, ça je me rappelle, je reclappe la porte, et je me demande, mais je suis pas sourd, je me demande si j'ai pas oublié les clés à l'intérieur de la voiture. Quoi? Vous avez un doute des clés? Pas de doute, non. Et les clés des menottes? Bah sur le même trousseau que la clé de la porte. Mais qu'est-ce que je fais pour tomber sur un ravisseur comme vous, moi, hein? Si au moins j'étais tombé sur un vrai professionnel. Oh, ça ne vous est jamais arrivé à vous de refermer la portière d'une voiture en oubliant les clés à l'intérieur? Oh. Maintenant, vous allez faire tout ce que je dis, ça va? Allez. Ça arrête de vous énerver, c'est un fou. Comment ça, c'est un fou? Ben oui, c'est un pistolet d'alarme. Pistolet d'alarme. Ben oui, c'est un pistolet d'alarme. Depuis le début, vous me menacez avec un faux revolver. Ah oui, c'est comme les menottes. Quoi, les menottes? Ce sont des fausses. Hein? J'ai jamais réussi à trouver des vraies. Hein? C'est des menottes de sex shop. Donc je résume. Vous enlevez la mauvaise personne, vous me menacez avec un faux revolver, les menottes sont fausses, mais qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire, hein? La porte. Ça, c'est une vraie, une solide, croyez-moi. Oh, ça, la porte. Ça, c'est une bonne. Oh, ça, la porte. Au secours! Allez! Hey!
rien de vous énerver comme ça. Vous pouvez crier tant que vous voulez, personne ne viendra. Hé, hey, hé, hey, j'ai choisi une cave dans une ferme totalement isolée. Il n'y a personne à moins de 10 km à la ronde. Hein? Ça, au moins, on peut dire que vous l'avez bien préparé. Hein? De toute façon, vos complices vont nous sortir de là, non? Quel complice? Mais il y a toujours des complices, il y a toujours un chef. Il n'y a pas de complice. Et le chef, c'est moi. Je suis une bande à moi tout seul, moi. Moi, je suis un fou, je suis un malade. Ouais, ben ça, je confirme, hein. Bon, vous avez un téléphone, au moins? Oui. Ah ben, ne restez pas comme ça, téléphone à quelqu'un. Oh là là. Mais il n'y a pas de réseau. Comment ça, il n'y a pas de réseau? Il n'y a pas de réseau. Comment ça, il n'y a pas de réseau? En même temps, on est dans une cave. Hein. Foutez-moi la paix, hein. Qu'est-ce qu'on va te dire? Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on va te dire? Mais c'est pas grave. Eh, il reste plus qu'à attendre. Attendre quoi, hein? Du réseau. Mais qu'est-ce que vous faites là? Premier jour avec vous. Vous êtes optimiste, hein? Vous ne pensez quand même pas que je vais rester plusieurs jours avec vous ici, hein? Non, plutôt crever, hein? Bah oui, justement. Non, il faut que je sorte d'ici et vite fait. Il faut quand même bien y avoir un moyen pour sortir de cette cave. Hein? Alors, cherchons et réfléchissons. Voilà. C'est bon. Le matin, il faut que je mange. Voilà, c'est comme ça. Le matin, j'ai faim. Sinon, j'arrive pas à me concentrer. Voilà, c'est comme ça. Le matin, j'ai faim. Voilà. Vous n'avez pas faim? Bah, si, maintenant que vous en parlez, je dois vous avouer, je crève de faim aussi. Ah, moi aussi, j'ai faim. Oh, oui, mais attends. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Un fond de sachet de pop-corn. J'aime bien, moi, les pop-corn. Faites quoi? J'aime bien. Faites quoi? C'est à moi. Ok, calmez-vous, ce sont mes pop-corn. Okay, calmez-vous, ce sont mes pop-corn. Vous êtes un peu énervé. Si, et puis vous me collez. Si, vous me collez. Si, vous avez faim. Si, vous me collez. Mais si, vous regardez, vous me collez. Ce sont mes pop-corn. Attendez, calmez-vous. Vous avez faim, moi aussi, on est un petit peu énervé. Regardez, on va compter les pop-corn, on va voir si je peux en partager un petit peu. Calmez-vous. Je vous sens très énervé. Alors attendez. Regardez. On va d'abord compter les pop-corn. On en a combien? On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12! 12! 12 pop-corn! 12. On se les partage? Partage, on se les partage. Une règle de 3? Règle de 3. Ok, 12 pop-corn, règle de 3. Nous avons dit 12 pop-corn, règle de 3. Ce qui m'a fait 12, moins 4, moins 6, moins 7, moins 9. Je remportais 9 en multipliant par les 4 du début de l'histoire. Vous ne vous pas, fallait faire attention. Ce qui me fait 1 pour vous et 11 pour moi. Vous êtes sûr? Oui. D'après moi, ça fait plutôt 6 chacun. Et oh! Et vous avez quand même un sérieux problème avec les chiffres, vous. Allez, ok, je vous en rends. Oh. Merci. Yaourt. Oh! Enfin, depuis le temps, on s'en doute être périmé, non? Oh, papa, ça dépend! Pourtant, il suffit de regarder la date de préposition, là. Non, la date de présomption. Vous êtes sûr? Certain, oui. Il est de quelle année, là? 1982! Dites donc, je me demande comment ça doit être à l'intérieur après 35 ans!
Allez-y. Ça a l'air bon. Ça va encore. Un vin qui s'appelle Mouton, c'est rare ça, non? Comment ça, Mouton? Regardez. Enfin, vous voyez bien, c'est parce qu'il manque la moitié de l'étiquette. C'est certainement un mouton Rothschild. Ah bon? Ben oui. Vous croyez? Ben oui, oui, oui. Ah, pour son alcool. C'est pas beaucoup, ça. D'habitude, c'est pas 12 ou 13%. Mais c'est pareil, puisqu'il manque la moitié de l'étiquette. C'est certainement 12 ou 13%. Hein? Ah oui, oui. Mise en bouche. Mise en bouteille. Mais c'est pareil. Mise en bouteille au château. Ah oui, mise en bouteille au château, évidemment. Ben oui, évidemment. Premier cru. Qu'est-ce que ça pourrait être? Premier cru... C'est assez. Premier crucifix. Mais non, dans ce cas-là, c'est juste, il ne manque rien. C'est un premier cru. Un premier cru? Ah, qui l'eût cru? Je ne l'aurais jamais cru. Dites, c'est pas tout ça, c'est parce que moi j'ai très très soif. Hein. Bah, moi aussi j'ai soif. Parce que déjà qu'on n'a qu'une bouteille pour deux. Attendez. Et encore une petite bouteille. Attendez. Petite bouteille. Oh! Hey, bap. On se la partage? Bonne idée, on boit chacun la moitié? Bonne idée. Allez. On avait dit chacun la moitié, non? Bah oui, mais ma moitié à moi, elle était dans le fond. Faites très attention. Commencez sérieusement à m'énerver, hein. Mais c'est qu'il est susceptible, Louis XVI, là. Oh là là. Entendu là? Ouais. Entendu quoi? Bah le petit clic-clic de deux verres qui s'entrechoquent là. C'est jouissif ça, non? Bah chacun son truc, hein. Bah dites donc, il vous faut pas grand-chose pour vous exciter, vous. C'est parce que ça me rappelle mon métier. Excusez-moi d'adorer mon travail, hein. Le plaisir de servir la clientèle, de déambuler comme ça dans les allées du restaurant, toujours au service des clients, comme ça. Madame, un petit verre de vin blanc? Monsieur, une petite coupe? Pardon. Hop. J'ai 16 ans, oui. Depuis que vous avez 16 ans? Mais je comprends mieux alors que le truc... Et vous? Vous êtes loueur de cassettes VHS et kidnappeur professionnel. Vous avez fait autre chose? Ouais. Moi, je fais des cours du soir d'allemand pendant 2 ans, des cours du soir de serrurerie pendant 3 ans, et puis 6 mois d'apiculteur. Donc, vous pouvez ouvrir une serrurerie en Allemagne et récolter votre miel, mais seulement le soir. Vous vous foutez de ma gueule? Non. Bon, moi j'ai vraiment faim. De moi aussi j'ai faim. C'est pas possible. Hey! Boletus manicus champignon 1975. Oh!
1975, mais c'est très vieux, ça, non? Non, 1975, très bonne année. Ah bon? Très bonne année pour les champignons Boletus manicus. Ah bon? Tout à fait. Voilà, donnez-le-moi. Non. Donnez-le-moi. Non. Donnez-le-moi, je vous dis. Regardez, avec votre chewing-gum et le mien, je vais faire une grosse boule. Cette boule, je vais la placer comme ça sur la porte. Et avec ça, on va plastiquer la porte. J'ai souvent vu ça au cinéma. Excellent! On va plastiquer la porte! On va plastiquer la... Quoi? Mais ça peut pas fonctionner! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il manque une mèche. Ah, il faut une mèche! Il faut une mèche! Il faut une mèche! Il faut une mèche! Il faut plastiquer la porte! Il faut une mèche! Il faut une mèche! Il faut une mèche! Plastiquer la porte! Une mèche! Il faudrait une mèche! Une mèche! Une mèche pour plastiquer! Une mèche! Une mèche! Une mèche! Une mèche! Il faut une mèche! Plastiquer! Il faut une... Hey! Et quoi? Une mèche, ça, c'est une mèche, on va dire que c'est une mèche. C'est une mèche. C'est une mèche. Allez, 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 allez. J'allume, allume, 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 allume. Voilà, 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 voilà. Attention. Ça va péter. 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 Et alors? Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Mais ils sont à quoi, vos chewing-gums? À la fraise. Mais ça ne marche jamais avec des chewing-gums à la fraise, voilà. Je savais pas que ça marchait pas à la fraise. Faut une autre idée, faut une autre idée. Mais une autre idée, une autre idée, une autre idée. Il faut une autre, faut une autre idée. Hé! Faut une autre idée. Hé! Regardez, regardez. Regardez. Avec cette branche à dents, je vais scier les barreaux du soupirail. Bonne idée, allez-y, je vous regarde. Ouais, allez, on va s'évader. Allez-y, allez-y. Je vais scier, regardez. Je vais regarder. Scier. Hé, quoi? C'est une brosse à dents à poil dur ou à poil souple? À poil souple? Bon, on va perdre du temps, on va perdre quelques semaines, mais continuez quand ouais, même. Ouais, j'ai continué quand même. Oh merde! Mais quoi? J'ai laissé tomber ma brosse à dents. Mais c'est malin, il faut absolument la récupérer. J'ai pas fait exprès de tomber, je la vois, elle est là. Cette brosse à dents, c'est notre seule chance de survivre. Mais il faut la récupérer. Il faut la récupérer. La récupérer, mais comment? Mais il faut la récupérer. Non, 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 avec eux. Il faut un truc pour la... Il faut la récupérer. La récupérer. Il faudrait la récupérer. Hé! Attendez, attendez. De quoi, de quoi? Attendez, j'ai une idée. Quoi? Je vais récupérer cette grosse boule qui fume encore. La boule? Oui, cette boule, je vais l'accrocher. La boule? Oui, je vais l'accrocher. La boule? Oui, je vais l'accrocher. La boule? Oui, je vais l'accrocher à ce câble électrique. Allez.
Là, comme ça. Et ce câble électrique, je vais l'accrocher. Vous allez l'accrocher? Oui, je vais l'accrocher. Il va l'accrocher. Oui, je viens de le dire, je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher à cette râpe à fromage. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, je vous ai fait une canne à pêche. Pour récupérer votre brosse à dents. Excellent. Donnez-la-moi, je m'y connais en peste. Allez-y. Regardez, hop. Lâche le fil. Lâchez. Un peu de mou. Mais pas trop. Pas trop. Et puis je tends le fil. Tendez le fil. Deux tours de moulinette. Mais pas plus. Pas plus. Et on attend. Quoi? Je touche. Je touche. Bah c'est pas ma brosse à dents, ça. Ah bah non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une scie à métaux? Je sais pas, papa. Ah ouais. Saleté. Je lâche le fil. Lâchez. Un peu de mou. Mais pas trop. Pas trop. Et puis je tends le fil. Deux tours de moulinette. Mais pas plus. Pas plus. Et on attend. Fait que ça, on attend. Regardez. Bah c'est toujours pas ma brosse à dents, ça. Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une disqueuse électrique? Je sais pas. Donnez-moi ça, c'est pas vrai. Tous ces trucs qui s'accrochent tous. Et pourtant, je la vois, ma brosse à dents. Je la vois, elle est là. Bon, hé, j'y vais. Hé! Quoi? Les barreaux. Les barreaux, ils sont gardés. Quoi? Les barreaux, ils sont gardés. Ah, pardon. De toute façon, ça n'aurait pas marché. Bah pourquoi? On n'a pas de dentifrice. Voilà! Mais c'est vrai, il n'y a pas de dentifrice! Il faut une autre idée pour sortir d'ici. Une autre idée pour sortir d'ici. Une autre idée. Hé! Regardez. Avec ça, je vais défoncer cette porte. Mais comment ça? Ouais. J'ai souvent vu ça dans les films de Moyen-Âge. Ils défoncent les portes avec un bélier. Mais c'est pas un bélier, ça, c'est un mouton. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais ça ne marchera jamais. Mais non, ça ne marchera pas. En plus, on n'est même pas au Moyen-Âge. Oh non, on n'est pas au Moyen-Âge. On est à quel âge? 48, moi. Oh, vous faites moins. Merci. De rien. Et vous? Moi aussi, je fais moins. Eh ben, ça se voit aussi. Merci. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Hé! Et attendez, j'ai une autre idée. On va écrire un message. On va le mettre dans cette bouteille et on lance la bouteille à la mer. Excellent! Attendez, dans mon sac, j'avais tout écrit. Attendez, regardez. J'ai un carnet, j'ai un stylo, regardez. C'est moi qui écris le message. Oui, allez. Venez nous chercher, on est là. On est là. Oui. On est là dans la cave. Voilà, ça c'est beaucoup plus clair. Tout est là. Dites, si avec ça, elle ne nous trouve pas. Allez, voilà. Voilà, il faut y croire. Il y a des bouteilles qui ont fait des centaines de milliers de kilomètres comme ça à travers les mers. Hey, regardez là.
Mais j'ai une idée. Mais voilà notre salut. On va capturer ce coucou suisse. On va le sortir de son horloge suisse. On lui attache un message à la patte. On le relâche et on viendra nous délivrer. Excellent. Mais comment faire? Comment faire? Eh ben, on va attendre qu'il sorte. Et vous lui sautez dessus. Ah non, 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 vous lui sautez dessus. Attendez, attendez. J'ai une idée. Je frappe à la porte. Il sort et vous l'attrapez, ok? Ok. Lui mettre des graines. Ah oui, c'est bien, ça va. Vous avez des graines? Non. Hé, hey, quoi? On va lui mettre un bol d'eau devant. Ah oui, c'est bon, ça va. Vous avez un bol d'eau? Non. Hé, hey, attendez, j'ai une autre idée. On va mettre de l'argent devant la porte. De l'argent? Pourquoi de l'argent? C'est un coucou suisse, il sortira, vous verrez. Petit, 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 petit. Petit, 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 petit. Petit, 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 petit. Écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous, écartez-vous. Sors de là, coucou! Sors de là, les potes en l'air, et il ne te sera fait aucun mal! C'est le commandant Mustapha qui te parle! C'est ta seule chance de t'en sortir, coucou! Nous encerclons complètement ta pendule! Il sort pas, hein, il sort pas! Hein. On est con. Il sortira la prochaine heure fixe. Il est quelle heure? Moins le quart. Ah ben voilà, on n'a plus qu'un quart d'heure à attendre. Mais combien de fois il sort? Ah ben, s'il est 2 heures, il sort 2 fois. S'il est 4 heures, il sort 4 fois, vous comprenez? Oh, mais alors, on n'a qu'à régler l'horloge sur 24 heures. Comme ça, il va sortir 24 fois. Donc 24 fois plus de chances de l'attraper. C'est bon, ça. Venez, on va régler l'horloge. Venez, venez. Quoi? Il n'y a pas de chiffre 24, ça s'arrête à 12. Ça, c'est bien les coucous suisses, hein. Radin qu'ils sont, là. Bon, allez, réglons nos montres. C'est ça, régler votre montre. Mais c'est pas votre montre qu'il faut régler, c'est l'horloge. Réglons l'horloge. Ah ah. Alors, espèce de coucou suisse, on fait moins le malin maintenant, hein? Tenez-le bien pendant que j'écris un message pour lui attacher à la patte. Ne me laissez pas seul, il va mordre. Mais non, 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 non. Si, il va mordre. Il va mordre. J'écris, 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 j'écris. Voilà, 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 je l'attache à sa patte. Ok, vous l'attachez. Vous... Mais vous l'attachez comment? Je l'attache comment à sa patte? J'ai une agrafeuse. Quoi? Mais non, 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 il va avoir mal, il va avoir mal. Il va avoir mal, il va avoir mal. Il faudrait l'endormir. L'endormir, mais l'endormir comment? L'endormir comment? L'endormir comment? Une berceuse. Chante-lui une berceuse. Excellent. Oh, c'est une berceuse. On va chanter une berceuse. Chantez une berceuse. Fais dodo, coucou mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Papa est en haut, qui fait du... Papa est en haut, qui fait du gâteau. Maman est en bas, qui fait du... Je voulais faire papa, moi. Maman est en bas, qui fait du chocolat. Fais dodo, coucou mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Papa, voilà. Là, il dort et là, il va plus vous mordre. Hein. Allez, j'attache le message à sa patte. Ah non, si, si, ah, non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, 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 non. Oh, oh, oh. Allez. Il ne reste plus qu'à attendre, hein. Voilà.
J'en peux plus d'être avec vous, moi. Allez. Joyeux anniversaire, Mustapha. Joyeux anniversaire, Mustapha. Joyeux anniversaire, Mustapha. Joyeux anniversaire. Oh, bah, c'est gentil, ça. Comment savez-vous que c'est mon anniversaire? Ben rappelez-vous, le premier jour, vous m'aviez montré votre carte d'identité. Ouais. Et je suis un professionnel, moi j'ai retenu la date. Oh, c'est sympa, hein. Allez-y, soufflez. Ouais, je souffle. Et d'un seul coup. Ouais, ouais, ouais. C'est pour moi. Hein? Oui, c'est avec le monde qu'il y a dans cette case. Il n'y a pas de confusion possible. Oui, c'est bien pour vous. Oh, ben c'est très gentil. Hein. Voilà, vous savez, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est emballé avec les moyens du port. Hein, oh, bien sûr, mais c'est l'intention qui compte. Ah, voilà, hein. C'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-là. C'est l'intention qui compte. Ah, c'est pas non plus. Allez. C'est pas gentil. Ouais. Oh, c'est bien. Hein. Oh, c'est magnifique. C'est bien. Oh, c'est beau. C'est très, 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 très beau. Vous savez jouer aux échecs? Ah, vous savez, moi, les échecs dans la vie, ça me connaît. Vous n'avez aucune chance, aucune chance. On va voir, on va voir. Regardez, venez, venez. Oui, oui, j'arrive. Venez avec moi, on va se faire une petite partie entre amis. Regardez. Venez ici, vous allez voir comment on va être bien. Oui, regardez, c'est une petite dame, une petite chèvre. Regardez comment on va être bien. On va être bien, là. Hop, regardez. Hop, regardez. Hop, 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 hop. Il me manque des pièces. Vous croyez? Quoi? Comment? Je crois évidemment que je crois. Enfin, regardez, il manque le roi, la reine, une tour, deux fous, deux cavaliers et six pions. C'est pas grave. Oh, bon. Comment c'est pas grave? Mais je suis désavantagé, moi. Mais non, allez, vous râlez toujours. Hein. Allez, on joue. Hein. On joue. Si vous voulez, on peut changer de couleur. Hop, 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 hop.
Je garde les blancs, je préfère les blancs, j'aime bien les blancs, mais c'est que ça. Hein? Allez, on joue. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je dois absolument être sorti dans les 6 jours parce que ma fille va être maman, donc moins grand-père. Première fois ? Oui, première fois, oui. Première fois grand-père ? Ouais, oh, ouais. Félicitations. Merci, merci, merci. Et vous croyez que je pourrais être le parrain ? De toute façon, on est foutus, je vous dis, on est condamnés à mourir ici dans cette cave humide. À mon avis, je ne verrai même pas grandir mes petits-enfants, c'est pas très juste, tout ça. Mais si, vous les verrez grandir, ah là là, allez, 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 hein. Vous serez un bon grand-père, hein. Un bon petit papounet, hein, papounet. Vous foutez pas de ma gueule, faites très attention, moi. Hein. Et ma maison, ben, j'en verrai plus, ma maison. Et mon jardin et mes plantes, ben, je les verrai plus non plus, voilà. Et mes poissons, ben, c'est fini aussi. Mais si, vous les reverrez, vos poissons, oh là là, c'est pas très grave, tout ça. Et puis, si vous n'en avez plus des poissons, je vous en acheterai, moi, des poissons. Moi, je vous acheterai des carpes. Moi, je vous acheterai des truites. Moi, je vous acheterai des... des saumons qui remontent les rivières, hein? Papounet! Petit papounet! Faites attention, voyons! Faites attention, je ne l'ai pas fait exprès! Oh, oui, c'est ça! De toute façon, je gagnais! Oh, oui, ah, si, 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 si! J'allais vous mettre échec et mat! Oui, bien allez, sûr! Allez, 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 pour me faire pardonner! Joyeux anniversaire, Mustapha! Joyeux anniversaire! Oh, bah vous chantez de plus en plus faux, hein! Un second cadeau. Oh, hein, hein, vous me gâtez. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une carte de membre de mon vidéoclub. Mais attention, une carte gold. Vous m'avez dit que vous étiez en faillite, non? Oui, mais bon, il me reste toujours des lots de cassettes VHS pour les bons amis. Ah, et c'est pas fini. C'est oh pas non, fini. Non, non, non. Joyeux anniversaire, Mustapha. Oh. Joyeux anniversaire! Un troisième cadeau! Ah, ah, ah. Et vous êtes fous! Oh, hein, 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 et je me demande bien ce que ça peut être! Hein. Allez, 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 attendez, joue! Oh! 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 Guitare! Oh! Et comment saviez-vous que ça va jouer? Je ne savais pas. Alors, pure coïncidence, mais alors vraiment, pure coïncidence! Ça va! Ça, là, la guitare, ça me rappelle vraiment quand j'étais scout. Vous avez été scout? Pourquoi, vous aussi? Oui. C'était quoi, votre totem? Belette foireuse! Déjà à l'époque, alors. Et vous? Fourmi économe. Déjà à l'époque, alors. Ah ouais, bah ouais. Hein? Et... quoi? Quoi, quoi? Hein? Ah oui. Ben c'est plus facile pour jouer comme ça. En tout cas, c'est plus facile pour s'accorder. Hein. Exactement. Moi, j'animais toujours les veillées chez les scouts. Oh oui, les veillées. Les veillées. Hein. Les veillées. Et il y avait aussi les cris de patrouille. Oui, les cris de patrouille. Rappelez les cris de patrouille. Encore les cris de patrouille. Attendez, nous, c'était... attendez, nous, notre cri de patrouille, c'était... quoi, vous? Attendez, attendez. Oui, oui, voilà, voilà. C'était, nous, c'était... loup-garou. Et c'est vous qui avez inventé ce cri de patrouille? Ah oui, pourquoi? Parce que c'est pas terrible. Ah oui, attendez, je me rappelle. Je me rappelle. Nous, on avait truite, on a la pêche. Omar, à fond là, caisse. Lama, crache toujours plus, loin. Hein, hein, hein. Qu'est-ce qu'on était cons. Oh. Il y avait aussi les chansons d'éveillé. Ah, les chansons d'éveillé. Plus les chansons. Hein. Ah oui, les chansons. Alors, qu'est-ce qu'on chantait alors? On chantait... Attendez, je me rappelle. 3, 4. Cet enfant me trois ma fin comme un oiseau. Iseo Santiano. 17, 80 chevaux. Je suis fier d'y être un matelot. Tiens bon, la paille tient bon. Stop, 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 stop. Pourquoi stop, stop, stop? Pourquoi stop? Parce que c'est faux les paroles. Comment c'est faux les paroles? Évidemment que c'est faux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est pas 17 nœuds, c'est 18 nœuds et de 1. Bon, et puis c'est pas 80 chevaux, c'est 400 tonneaux. Et de 2. Et... vous êtes sûr? Bon, enfin, tout à fait sûr. Et je connais par cœur tout le répertoire d'Hugo Frey. En fait, Hugo Frey, c'est le grand-oncle du second mari de la nièce de ma sœur. Alors, hein. Bon, alors j'essaie. 3, 4.
C'est un fameux trois mâts fin comme un oiseau. Iseo Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Vous aviez raison, hein? Évidemment que j'avais raison. Quand je pense que j'ai chanté de fausses paroles à ces petits cours de scout pendant 15 ans, ça m'attriste, hein? Oh! Et puis rappelez-vous, il y avait aussi Stewboy. Oh oui, Stewboy! Hugo, frère, oui, Stewboy, évidemment. Stewboy, ouais, ouais, ça m'est là, oui. Hugo Fraisse, Stewboy. Stewboy, Hugo Fraisse. Trois, quatre. Il s'appelait Stewboy. C'était un cheval blanc. Il était mon idole, dole. Et moi j'avais 7 ans. Vétérinaire. Stop. Pourquoi stop encore? Vous avez dit quel âge? 7 ans. Mais c'est faux. Mais comment c'est faux? C'est 9 ans et demi. 9 ans et demi, n'importe quoi. Vous êtes sûr? Bon, enfin, tout à fait sûr. En fait, Hugo Fraisse était le grand-oncle. Oui, ça va, on le sait, ça. Hein? Attendez. Je vais vous accompagner, ce sera plus facile pour vous. Je vais vous accompagner avec ça, regardez. Vous accompagner avec ça, ce sera plus facile pour vous. Voilà, je vous accompagne avec ça. C'est moi qui dis 3-4. Oui, c'est ça. Ouais. C'est moi qui dis 3-4. Oui, vous l'avez déjà dit. Bah, dites-le en 3-4, hein, monsieur. Attendez, je m'accorde. Ouais. Voilà. 3-4. Il s'appelait Stewboy. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 9 ans et demi quand le vétérinaire, oh oui le vétérinaire, d'un seul coup la cheval, j'ai vu pleurer mon père, il chialait papa, pour la première fois, waouh, et voilà. Évidemment que j'avais raison, évidemment. Mais il y avait aussi des chansons beaucoup plus dynamiques, hein. Ah oui? Vous rappelez de celle-ci? Rappelez-vous. 3, 4. Je mets un pied devant, je mets un pied derrière, je mets un pied devant, je fais de tout petits ronds, et je danse le Madison, et je fais le tour de moi-même, et je m'en vais plus loin. Hey! Wow! Mais quoi, wow? Vous dansez quoi? Le Madison? Mais c'est le boogie-boogie! Boogie-boogie n'importe quoi! Vous êtes sûr? Bon, enfin, tout à fait sûr! En fait, Hugo Fraisse était le grand-oncle. Ta gueule! Attendez! Je vais le faire avec vous, on va le décomposer, ce sera plus facile pour vous. Regardez. On va le faire ensemble, ce sera plus facile, vous allez me suivre. Okay, d'accord. On se met comme ça. Ah ouais, et on va le faire plus lentement. Ouais, c'est ça, pas trop vite. Plus lentement. Oui, mais c'est pas trop vite. Faire. Ben vous calmez et on va le faire plus lentement. Alors, on va le faire pas trop vite. Ben oui. Et vous mettez les bras comme ça, et les doigts comme ça. Et on va partir du pied gauche, pied gauche. Et on va le faire plus lentement. Oui. Pas trop vite. Ça donne ceci. Oui. Ça donne. Suivez-moi. Ça c'est vraiment lent. Oui. Ça donne. Oui. Je mets un pied devant, je mets un pied derrière, je mets un pied devant, je fais de tout petits ronds, je danse le boogie-boogie, je fais le tour de moi-même et je m'en vais plus loin. Hey, vous voyez, c'est ça. Je mets un pied devant, je mets un pied derrière, je mets un pied devant, je fais de tout petits ronds, je danse le boogie-boogie, je fais le tour de moi-même et je m'en vais plus loin. Pied devant, pied derrière, pied devant, je fais le tour de moi-même et je m'en vais plus loin. Ah, ouais, j'aime bien moi cette poubelle. Hé, hey. Mais
c'est formidable. On est sauvé, c'est formidable. Ça va aller, oui. Ça va aller, oui. Arrêtez avec cette marionnette. Arrêtez avec cette marionnette. Regardez, on est sauvé, je vous dis. Mais oh, 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 hey, oh, oh. Pourquoi sauvé? Ben avec cette radio, on va pouvoir communiquer à la Terre entière. Oh, oh, c'est une radio pour écouter de la musique, hein, c'est pas pour émettre. Ah oui, vous aviez raison, ouais. Bah oui. Bon, écoutez, on va voir si elle fonctionne, ça va nous distraire, hein. Oui. Allez. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. C'est une très vieille radio, hein. Le manchot la terre dans ses bras. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde. Tant que l'amour illumera mes matins, tant qu'on peut émira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je lirai brunes et blondes, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Oh, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi. Oui, si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Ne m'apporte tes problèmes. Mon amour, puisque je t'aime. Excusez-moi, c'est parce que j'ai peur du noir. En tout cas, je ne m'attendais pas un jour à me retrouver enfermé dans une cave.
à jouer de la guitare, jouer une partie d'échecs et danser le boogie-boogie avec une personne que je ne connaissais pas et qui, en plus, est mon ravisseur. Et je dois dire que je passe un bon moment. Moi aussi, je passe un bon moment. On est peut-être tout simplement en train de développer le syndrome de Bâle. Le quoi? Le syndrome de Bâle. Mais si, vous savez, c'est quand le kidnappé éprouve de l'empathie envers son ravisseur. Ah non, ça c'est le syndrome de Stockholm, pas de Bâle. C'est quoi alors Bâle? Le trou? J'ai entendu un bruit. Un bruit? Quel bruit? Un bruit de pas, j'en suis sûr. Vous êtes sûr? Chut! Hey, vous pensez pas plutôt qu'on est victime d'hallucinations sensorielles? Vous savez, comme des mirages de l'audition? Vous pensez qu'on entend des bruits qui n'existent pas? C'est possible. Vous savez, trop d'enfermement, trop de solitude. Non mais ça va, qu'est-ce qui vous plaît? Parce qu'attention, hein. J'ai vu là, là, papa, regarde, regarde. Hop. Dites, hé, j'ai une question, hein. Oui. Pour une fois, on pourrait pas échanger le lit? Bah non, pourquoi? Ou alors, pour une fois, je peux pas venir faire dodo avec vous dans votre lit? Ça ira, oui. Espèce de gros dégueulasse, hein. Ça commence comme ça, on ne sait pas où ça se termine, hein. Alors, pop, dans votre tente. Allez. Eh oh! Vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Eh oh! Vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Vous êtes à côté de l'interrupteur. Oh, mais comment il fait pour s'endormir à chaque fois aussi? Yes! Secret à l'oreille, puis je la relâche. Mais elle va mordre! Non, va pas vous mordre. Et puis, oh, oui.
C'est pas facile pour trouver son oreille. Hein. Et puis c'est quoi notre secret? Enfin, le secret, quoi. Le secret, quoi, ouais. Quand j'étais petit à l'école, j'ai mis de la colle dans le café de Monsieur Raymond, l'institut... Non, pas ce secret-là! Faut de la patience avec vous, hein. Allez, je lâche. Vous êtes prêts? Je pense que vous êtes prêts. Vas-y. Bien maintenant, forcément. De toute façon, on est foutus, je vous dis. On est condamnés à pourrir dans cette cave. Ah non, je vous ai déjà dit que je devais être sorti demain pour la naissance de ma petite fille. Je vous l'ai dit, hein. Oui, mais imaginons qu'on n'arrive pas à sortir. Mais moi, je veux sortir. Moi aussi, je veux sortir. Mais imaginons une issue fatale. Comment ça, une issue fatale? Oui. On meurt tous les deux ici. On rend notre dernier souffle ici, tous les deux, et en même temps. Un jour, quelqu'un va découvrir nos corps. Eh ben franchement, quand les experts Miami ont débarqué ici et qu'ils vont trouver devant le soupirail une brosse à dents pour un souple, une demi-bouteille de vin avec une demi-étiquette, un coucou mort, et ici à l'intérieur, un yaourt de 1982 et une vieille perruque qui pue, ils vont rien comprendre, croyez-moi. Je voudrais creuser un tunnel, voilà, pour s'évader, comme dans la grande évasion. Ce qui me faudrait, c'est une masse pour casser le sol. Une masse? Une masse! Attendez, j'en ai vu une dans l'escalier qui descendait à la cave. Mais oui! Non, ça n'ira pas, il faut une autre idée. Oh, mais on n'a plus d'idée. On a tout essayé, Louis. On a tout essayé, on n'a plus d'idée. On n'a plus rien comme idée. On n'a plus d'idée. Mais voilà comment on va s'évader et sortir d'ici. Évidemment, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Voilà. Mais oui, regardez. Allez, vas-y, il y en a plein. Allez-y, montez dans mon bateau. Ah oui, oui, attendez. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Eh ben, vous faites le barreur et moi, je fais le barré. Ok, on y va. Allez-y. A deux. Allez-y, vous êtes mou. A deux. Alors, on en est où? On est nulle part, on est même pas encore au bout de la cave. Je vous préviens, moi, je vais par là, hein. Ah oui, allez. A deux. Allez, stop, ça ne marchera jamais. Et pourquoi stop? Ça ne marchera pas, je vous dis, ça ne marchera pas. Hey, oh. Quoi? Vous marchez sur l'eau? Et alors, Renaud t'a fait avant moi, non? Ça ne marchera pas, c'était votre idée, je le savais que ça ne marchera jamais. Je le savais que ça marche. Je pense que la solution, c'est par là. Par là? On a essayé par là. Ça n'a pas marché. Mais on n'a pas encore essayé par là. Mais c'est dangereux. Tous les dangers sont là. Toutes les angoisses proviennent de là. Toutes les incertitudes arrivent de là. Et puis ils vont mordre. On doit absolument essayer de sortir par là. Ok. Il faut absolument trouver une issue de secours. Ok. Il faut que l'un de nous deux parte en éclair. Ok. Vous allez partir en éclair. Et pourquoi moi et pas vous? Ok, on va tirer au sort. Venez-moi ça, regardez.
Regardez, je prends cette pièce, je lance cette pièce. Si cette pièce retombe sur l'une des deux faces, vous y allez. Mais si cette pièce retombe sur la tranche et reste en équilibre, j'y vais, ok? Ok. Oh, pas de chance. J'ai quand même jamais de veine à ce genre de jeu. Ouais. Pour votre expédition. Pour ma quoi? Pour votre expédition. Expédition? Il vous faut une lampe frontale. Une quoi? Une lampe frontale. Et surtout, il vous faut... Surtout, il vous faut... Ceci. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, monsieur. Ça, monsieur. Ça, monsieur. Ça, monsieur. Ça, monsieur, c'est un triophone, ça, monsieur. C'est l'ancêtre du téléphone, ça. Regardez. Avec... 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 micro... Regardez, avec micro et écouteur en un seul tenant, voilà. Grâce à ça, nous resterons toujours en communication. Ah oui, oui, bon, ok. Attendez. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je vous l'ai dit, il faut absolument trouver une issue de secours. Bien, chef! Si je ne suis pas rentré dans 2 heures, attendez-moi un peu plus. Merci. Vous êtes mon meilleur élément. Allez-y, c'est parti. Hop. Bolette foireuse, appelle Louis XVI. Bolette foireuse, appelle Louis XVI. Oui, bolette foireuse, ici Louis XVI, je vous reçois 8 sur 3. Où êtes-vous, Rogers? Je ne vous comprends pas bien, bolette foireuse. Je traverse une zone un peu marécageuse et je continue ma recherche. Que voyez-vous, bolette foireuse? Que voyez-vous, Rogers? On va pour l'instant pas grand-chose que 2 ou 3 vieux rats et une vieille taupe. Je continue mes recherches. Hey! Bolette foireuse, appelle Louis XVI! Bolette foireuse, appelle Louis XVI! Oui, bolette foireuse, ici Louis XVI, je vous reçois beaucoup mieux. 8 sur 7. Que se passe-t-il, Rogers? C'est incroyable, je l'ai trouvé! Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé l'issue de secours! C'est magnifique, c'est inespéré, ne bougez pas, j'arrive! Merde, c'est mon téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est... Oui, mais c'est... Oui. Oui, mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Voilà, merci, n'hésitez pas, merci. Au revoir, monsieur. Quel emmerdeur, celui-là. Mais c'était qui? C'était un représentant qui voulait me vendre du vin. Vous aviez quelqu'un au bout du fil et vous avez raccroché? Bah oui, mais j'ai assez de vin chez moi, moi. Ils sont chiants avec leur vente par téléphone. Mais vous êtes complètement abruti, vous êtes pas venu à l'idée d'en profiter pour appeler à l'aide. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai encore merdé. Mais c'est qu'il y a du réseau, là. Il y a du réseau. Regardez, il y a du réseau. Oui, il y a du réseau. Combien? Oui, mais il y a plus de 2% de batterie. Oh, 2% de batterie, ça n'est rien. Il faut absolument recharger le téléphone. Okay, recharger le téléphone, mais... Ce qu'il faudrait, c'est un chargeur. Ok, un chargeur. Voilà, il n'y a rien de mieux pour recharger la batterie d'un téléphone. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est un cycliste. Un cycliste. Moi. Vous voulez faire un cycliste? J'ai toujours rêvé d'être coureur cycliste. Regardez, j'ai déjà le maillot jaune. Oui. Allez-y, montez sur le vélo. Je monte sur le vélo. Regardez. Je vais raccorder la dynamo du vélo au chargeur de la batterie pour recharger la batterie du téléphone. Excellent. Et moi, je vais faire foi, moi. Vous. Oui. Vous. Oui. Vous allez pédaler. Moi, je pédale. Vous pédale. Ok, je pédale. Je suis prêt. Je suis prêt. Attention. Je suis prêt. 5. 4. 3. Ah, c'est juste. 2. Ah, parti. Allez. Allez. Alors? Pas terrible, 7% là. Hein. Allez.
Vas-y. Allez. Alors. Allez, ça ne monte pas, hein. Oh, si, ça monte, si, ça monte. Allez-y, là, donnez le meilleur de vous-même, là. Je donne. Pensez au sacrifice que votre famille a fait pour vous pendant des années. Vous avez raison. Pensez à la victoire d'étape. Pensez à la prime à l'arrivée. La prime à l'arrivée. Pensez au bouquet de fleurs à l'arrivée. Bouquet de fleurs. Pensez aux hôtesses qui vont vous embrasser sur la bouche à l'arrivée. Il y a des hôtesses. Des hôtesses. Il y a des hôtesses. Il y a des hôtesses. Il y a des hôtesses. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais tout a pété, là. Mais comment c'est possible? Mais vous avez pédalé trop vite, voilà. Comment j'ai pédalé trop vite? Mais vous avez vu comment vous m'avez encouragé, vous? Attendez, 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 attendez. Ne me dites pas que j'ai gravi le Mont Ventoux. Il se met tous mes adversaires pour rien. Ah bah si, là, c'est foutu, foutu, je vous dis. Ok, c'est pas grave. Je pense que demain, dans la seconde étape de montagne des Pyrénées, je pourrai attraper mon retard. J'ai trouvé! On va s'envoler. Attends que mon créneau horaire et s'envoler. Regardez, j'ai deux bouteilles d'hydrogène. Je vous les donne, j'allume la mèche et vous allez me s'envoler. Voilà. Vous êtes sûr? Vous faites confiance ou pas? Oh bah pas. Vous faites confiance ou pas? Oui, oui, oui. Bon, les bouteilles dans le dos. Dans le dos? Dans le dos, les bouteilles. Comme ça? Hop, comme ça? Attendez, 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 attendez. Attendez. Et vous, vous allez faire comment, vous? Moi? Oui. Moi, j'ai tout prévu, je vous dis. Regardez, j'ai tout prévu. Regardez. Moi, je vais m'envoler avec vous. Je vais pas te baisser, les mots. On va s'envoler ensemble. Oh, oui. Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont toucher la lumière. Oh, on va s'envoler. On va s'envoler. Je peux pas m'envoler, moi. Pourquoi? Mais pourquoi? Regardez, j'ai pas de mèche. Oh, toujours la mèche. Mais toujours la mèche. Si j'ai pas de mèche, je peux pas m'envoler. Il faudrait une mèche pour m'envoler. Une mèche pour m'envoler. Hé, qu'est-ce que c'est que cette corde? Ben, je sais pas, je l'avais jamais vu avant, moi. Moi non plus, j'avais jamais vu. Qu'est-ce que c'est? Elle a l'air coincée au-dessous de l'armoire. Coincée? Aidez-moi, on va pousser l'armoire. Ok, on va pousser l'armoire. Attendez, attendez, aidez-moi, aidez-moi. Attendez-moi, attendez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-moi, aidez-moi. Allez, vous voyez ce que je vois? Je vois ce que vous voyez. Allez-y, je vous en prie. Vous êtes sûr? J'en suis certain. Hey. Vous me suivez, hein? Mais bien sûr que je vous suis. Hey. Vous me laissez pas tout seul. Hein? Je pense que maintenant notre vie est définitivement liée. Hein? Dites, si ça se trouve, vous arriverez à temps pour la naissance de votre petite fille, papounet. On arrivera à temps, parrain. Hein? Allez, allez, allez.